Bonjour à toutes, chose promise, chose due, je vous retrouve aujourd'hui pour ma revue des rouges à lèvres Ultra Care Liquid de chez Dior que je vous promets depuis un petit moment déjà. Donc moi j'ai 6 teintes à vous montrer aujourd'hui. Ces rouges à lèvres existent en 25 teintes, 16 seulement sont disponibles en parfumerie. J'en ai 4 qui viennent de chez Sephora et 2 qui viennent du site Dior, je vous dirai lesquels c'est. Donc ces rouges à lèvres sont vendus au prix de 37 euros. Donc oui, ça pique, clairement. Pour moi, c'est vraiment des rouges à lèvres qui valent leur prix. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu vous en faire une revue dédiée en vidéo. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de ces rouges à lèvres? Alors déjà, les teintes sont vraiment plus belles les unes que les autres. J'ai eu un mal fou à en choisir que quelques. Comme leur nom l'indique, ce sont des rouges à lèvres liquides. L'applicateur est un petit peu effilé au bout, donc ça permet de tracer vraiment très précisément le contour des lèvres. Donc, je trouve que c'est vraiment très pratique, j'aime vraiment beaucoup l'applicateur. La texture de ces rouges à lèvres est vraiment très, comment dire, veloutée sur les lèvres. C'est une texture qui est vraiment lissante, donc si vous avez des lèvres qui commencent à être un petit peu marquées avec l'âge, ça va vraiment flouter un petit peu toutes les petites ridules que vous pouvez avoir, donc le rendu est vraiment très très joli. C'est des rouges à lèvres liquide mais il ne sèche pas, donc vous gardez ce côté un peu glissant, hydratant sur les lèvres. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment très très confortables, donc du coup à cause de cette texture là, ce sont des rouges à lèvres qui transfèrent. Donc moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement, surtout que voilà, plus j'avance en âge, plus je suis en recherche de textures confortables et hydratante, mais j'adore les rendus mat en fait. Donc c'est pour ça que j'aime autant ces rouges à lèvres là, c'est que la plupart ont un fini mat, certains ont un fini satiné, je vous dirai lesquels aussi parmi la sélection que j'ai, mais la plupart sont mat. Et voilà, vous avez ce confort justement, ce côté très hydratant qui est vraiment très très agréable. Au niveau de la tenue est vraiment très bonne, donc c'est bien sûr des rouges à lèvres que vous allez devoir réappliquer à plusieurs reprises dans la journée, surtout si vous mangez et que vous buvez en fait, mais ils ont une manière de s'estomper qui est vraiment très jolie. La teinte va s'estomper en fait petit à petit de manière uniforme, vous n'avez pas d'amas de couleur ni quoi que ce soit sur les lèvres. Donc j'ai clairement que du bon à dire de ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment très très réussis, que ce soit le package, l'applicateur, la formulation, le choix de teinte, c'est vraiment de petites merveilles. Donc si vous êtes en recherche de ce type de rouge à lèvres, je vous recommande ceux-là, ils sont vraiment vraiment très très bien. Et on va passer à la partie la plus intéressante, les swatchs. On va commencer avec un Sublime Nude qui est la teinte 639 Wonder. C'est la teinte que je portais sur les lèvres dans l'introduction de cette vidéo. C'est un nude qui est plutôt neutre, qui est vraiment très flatteur, qui est pas trop clair. Et je trouve qu'il est absolument magnifique. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur parmi les teintes proposées. Celui-ci, je l'ai beaucoup beaucoup porté et il fait partie des teintes qui sont mates. La teinte 446 Whisper, qui est un très joli corail hyper portable. C'est une teinte hyper fraîche, hyper printanière qui donne bonne mine. Il est vraiment très très joli celui-ci. Et il fait partie des teintes mates. Ensuite, j'ai la teinte 750 Blossom, qui est une espèce de teinte un peu rose-rouge, mais très très portable. Qui est, voilà, c'est une teinte colorée en fait, mais qui est très facile à porter, je trouve. Et qui est pas trop flashy, c'est pareil, c'est une couleur très fraîche, très, voilà, très printanière, qui donne bonne mine, donc absolument idéale pour la saison. Et c'est une des teintes satinées, donc les teintes satinées ont comme des micro nacres en fait à l'intérieur, et ça donne un effet très légèrement métallisé qui donne un effet un peu lèvres pulpeuses, qui est vraiment très très réussi, donc vraiment très très jolie également cette couleur. Ensuite j'ai la teinte 808 Caresse, qui est un très très joli rouge brique. Donc moi avec ma carnation, c'est une teinte que je porterais peut-être plus volontiers en automne, mais c'est un espèce de... Ouais, une teinte un peu brique rouille qui est absolument sublime, qui doit être très très jolie aussi sur une peau plus foncée que la mienne. Et celle-ci est une teinte mate. Ensuite j'ai la teinte 786 Rosewood, qui est une des teintes qui est disponible en exclusivité sur le site de Dior. C'est une teinte un peu bois de rose qui est de toute beauté et celui-ci est un fini mat. Et pour finir j'ai la teinte 675 Fleur Bleue,
qui est un espèce de rose très très portable qui a ce fini un petit peu très légèrement satiné métallisé. C'est aussi une des teintes qui est disponible en exclusivité sur le site de Dior et il est vraiment très très joli aussi celui-ci. Voilà pour cette petite revue des rouges à lèvres Ultra Care Liquid de chez Dior. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des produits que je vous ai présentés en barre d'infos, ainsi que toutes les informations sur ce que je porte, que ce soit voilà, maquillage, bijoux, vêtements, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé ces rouges à lèvres là, si vous les avez appréciés autant que moi, et quelles sont vos couleurs préférées. Peut-être que j'en ai raté certaines qui valaient le détour, donc j'attends vos conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.